Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Motorsport Manager, le 21e. On entame la troisième saison. Alors pour une petite info, j'ai coupé de la musique du jeu parce que YouTube me retape tout de suite sur les doigts à propos de l'histoire de droit à propos de la musique. Du coup, je préfère couper tout à fait le son pour éviter tout problème. C'est même pas encore spécialement pour éviter les problèmes, c'est juste que ça attire les spams sur mon sur le compte YouTube et c'est d'un. Franchement, je peux le dire, c'est vraiment chiant d'avoir des spams disant « Oh, c'est trop bien ta vidéo, viens écouter mes musiques, tu pourrais les utiliser. » J'en ai absolument rien à foutre. c'est vraiment casse-pieds au niveau de la gestion des commentaires sur YouTube. Donc du coup, j'ai préféré virer la musique. Il y a encore les sons du jeu, mais j'ai coupé tout ce qui est musique du jeu. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que le jeu, enfin la musique est en soi sympathique, mais bon. Voilà. Donc on en était où? Pour vous, ça fait le dernier épisode était dimanche dernier, mais pour moi l'enregistrement date un petit peu. Je crois que ça fait un bon mois là. Je crois que j'ai pas joué parce que j'avais diminué les diffusions et que en plus j'avais pris quelques épisodes d'avance. Donc il faut que j'essaie de me rappeler un peu de la situation. Donc on avait fait une course, c'est ça. Ouais, on avait fait une course. On avait fait le Grand Prix de, je pense que c'est la Tchéquie ça. Et on avait fait donc 7ème et 9ème, ce qui n'était pas dégueulasse au niveau des résultats, avec les deux pilotes que je répète encore se valent complètement au niveau des stats. Au niveau de la voiture, où est-ce qu'on en était entre les deux voitures? Améliorer les pièces ici, tout est en amélioration. Donc là c'est tout un truc original, j'avais pas encore développé grand chose, j'avais équipé des nouveaux freins qui sont en amélioration. Pas en fait. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas en amélioration? Pourquoi est-ce que j'ai des plus pourris à la place? Bah hop, on va pas se casser la tête tout de suite, voilà. On va améliorer tout ce qui est améliorable. Peut-être que j'avais fait ça en rapport à Munich, c'est dans combien de jours? On est le 12. C'est dans... Donc, c'est en cours en fait, c'est aujourd'hui. Ah d'accord. Donc ça c'est mort, et donc pour le prochain c'est vitesse max et décélération. Donc les freins. C'est peut-être pour ça que j'étais occupé à les freins. Bah oui, de toute façon on va booster les freins. Et vitesse max. Le moteur. Le moteur mérite bien aussi d'être un petit peu boosté là. Pourquoi je suis qu'à 51%, c'est quoi ce... Holy fuck. Puis si on est en performance, ça ne va pas du tout. C'est quoi? Trop de réglage. Je sais pas ce que j'ai foutu la fois passée. On va changer tout ça. Toi, c'est bon. Toi, tu te vires. Toi, on te booste. Ça va. Ça, on te vire et toi, on te booste. Voilà. On va faire comme ça. Pour les perfs, ici, ça va. Qu'est-ce que je pourrais bien améliorer, celui-là, la rigueur. Et celui-là. Ça me paraît. Par contre, du coup, ça sert plus à rien. Non, c'est pas celui qui sert à rien, c'est celui-là. Voilà. Et celui-là, là, on peut aussi, voilà. Ça, on améliore un petit peu tout ça. Je sais pas ce que j'ai foutu sur ce truc-là. Je sais vraiment pas. Bizarre. Enfin. Donc ça c'est bon, alors on va faire recevoir une nouvelle pièce, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc pour le prochain Grand Prix, ça sera pas prêt à temps, donc on va regarder plutôt pour le suivant, il faut beaucoup d'accélération, ok, donc on va voir ce qu'on peut faire au niveau transmission. Alors, donc j'ai une transmission de base à 162, si je booste là, je peux monter jusqu'à 199. Et ça, c'est juste pour les qualifs, c'est pas intéressant. Fiabilité moins 20, alors ça, je m'en fous parce que de toute façon, on la retravaillera après la fiabilité. Accélération plus 10, zone rouge, moins 10, ça, je m'en fous. Accélération plus 15, donc c'était plutôt celui-là. Voilà, on va faire ça. Donc je peux monter jusqu'à 239 au max. Et du coup, composant, ça prend 2 jours, ça prend 14 jours pour faire, ça coûte 1 150 000. C'est très bien. C'est très bien, on va faire ça. On va faire ça. Construire une pièce, voilà. Et on confirme.
Au niveau de la voiture qu'on voit ici, justement, l'accélération, c'est ce qui pêche un peu. Hein. Au niveau de la vitesse de pointe, on est quatrième. On est au-dessus de la moyenne, c'est quand même pas dégueulasse. Bon, ça, c'est pareil pour tout le monde. Après, il faut quand même améliorer le reste. Hein. Donc, on va améliorer l'accélération. Tranquillement, tranquillement. Bon, on va continuer. Oh, est-ce qu'on en est? Ah, bon, on était au début d'ailleurs. Donc, j'avais quoi comme sponsor? J'avais un 7e ou mieux qui rapporte 600 000, un 3e ou mieux qui rapporte 1 300 000. Et ça me paraît encore un peu tendax. Et ça, non, laisse tomber. Ça, c'est mort. Le 3e ou mieux, il est quand même tentant, mais voilà, j'ai pas encore la voiture pour aller concourir pour les top places. Parfois, ça passe. Hein, je suis déjà arrivé à le faire, mais bon, je pourrais perdre plus d'autres choses. Donc, on continue sur notre 7e. Si ça passe, ben ça me fait 1 million sur la course, ce qui est quand même très bien au niveau de tout ça. Donc j'ai installé les pièces, tout le monde est content, que je dis ça a l'air. Ça a l'air. Installer les pièces, on va voir si tout le monde est bien ce qu'il faut. Là j'ai les deux meilleurs, oui, là j'ai les deux meilleurs aussi, là j'ai pareil, de toute façon je change rien, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, et là c'est bon aussi. Donc là clairement en suspension je pêche complètement, je suis à l'ouest, je la ramasse. Bon, donc là on est bon, on peut continuer, on continue, et on est parti donc pour le Grand Prix de Munich. Un peu tristou hein, sans la musique. C'est même pas le son comme ça de truc, c'est un peu casse-pied ça. J'espère qu'ils mettront moins les sons de la course. Très dommage qu'ils ne le fassent pas. Bon, chargement devrait logiquement aller plus vite, j'espère. Vu que j'ai tout réinstallé sur SSD. Oui, ça va plus vite. Alors, essai libre Munich. Bah, on fait comme d'habitude. Ah, ouais, j'ai au moins un petit peu de son de fond. Yahoo, 20 ans feedback, ça y est. King, king, king. Et bon, on va pas se casser la tête. Hein. Lui, il me sert plus à grand chose du coup. Hein. Franchement, le Gérard là. Bon. Changer les réglages. Alors, on a un circuit avec. On a du virage un peu pif paf pouf. Donc, on va monter ça. Ça sera 17-27. On va voir ce que ça donne. Pour le reste, je pense que je vais pas trop chipoter. Rigueur. Voilà, monter un peu la vitesse parce qu'il y a quand même des longues lignes droites. Et au niveau de la suspension, on va faire comme ça, voilà. Donc toi, c'est bon. Le météo, elle dit quoi? Soleil. On va partir sur les... Pas sens pareil. C'est que cette façon. C'est juste pour arriver à la bonne stratégie. Ici, on va passer 16-26. Voilà. Et on va monter un poil de suspension. Et on va faire comme ça. Voilà, je vais faire dans l'autre sens. Et c'est parti pour toi. Alors on peut continuer. Participer aux essais libres, bien entendu. Et comme d'hab, hein, on les envoie illico presto. Réglage course, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Hop, et toi, pareil. Et ils sont partis, donc on va comme d'hab accélérer le temps. Ils sortent de leur truc. Alors on m'a conseillé sur YouTube de laisser courir deux tours pour faire le truc. C'est plus pratique pour les débutants pour arriver à voir par rapport à ce que les pilotes vont nous dire dans quel sens lancer les réglages. Oui c'est vrai, c'est vrai que à la rigueur si vous débutez dans le jeu, c'est une bonne idée, moi personnellement. Bah j'en vois pas spécialement l'intérêt parce que je vais tout aussi vite voler, ça va. Quand on a un petit peu l'habitude, ça commence à rentrer. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc bonne, moyenne et excellent. Donc on est déjà impec au niveau d'équilibre de la vitesse. Maintenant, ici il est en moyenne, donc on va essayer. Non, ça c'est. On va essayer de toucher à ça. Hop. On va essayer d'aller dans ce sens-là pour voir. On va chipoter un petit peu comme ça, l'autre sens, voilà. Et la déportance est bonne, donc on va quand même essayer de l'avoir mieux que ça, faire comme ça.
D'autre sens. Retourne dedans. Voilà. Voilà. On le lance comme ça. Et c'est reparti pour un tour. Et toi, par contre, tu n'es pas du tout content. Donc, pas du tout, du tout. Chrysostomo, il n'est pas du tout content. Mauvaise, moyenne, moyenne. Donc, on va monter la déportance à 17,5. 27,5. Maniabilité, bah, on va changer tout ça aussi. Hop, libre de vitesse, on va le monter par là. Et ça, on va faire comme ça. Et on va le lancer comme ça. On verra bien ce qu'il dit à sa deuxième rentrée. Donc voilà, ils sont repartis pour un tour. Alors là, quand même, l'ambition d'essayer d'arriver à atteindre le top d'ici la 4ème saison. On verra bien où est-ce qu'on en sera. Mais là, j'ai un peu de fond pour me permettre d'améliorer la voiture. Il y a le centre de télémétrie aussi qui est en train d'être construit dans le siège. Alors. Hop, on voyait qu'est-ce qu'il te raconte de beau maintenant. Donc, c'est peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Donc là, je suis en très bonne excellente, donc ça, c'est bien. Et là, j'étais en bonne, donc la déportance était mieux avant de l'autre côté. Donc, j'étais en 17, je repousse un peu plus par là. On va faire comme ça, 18-27, et on va essayer de récupérer les réglages de l'autre côté. Pas évident ça, évidemment, parce que du coup ils étaient bons. On va le lancer comme ça pour voir. Et là c'est beaucoup mieux, par contre, bonne, très bonne, bonne. Alors parfait, mais c'est mieux. Alors. Donc j'étais en mauvaise, je suis passé en bonne en allant par là, donc on va le monter encore un petit peu, voilà, on va faire comme ça. Ici, maniabilité était moyenne, est passée à très bonne, on va pas trop chipoter à celui-là. Et la vitesse est passée de moyenne à bonne. Par contre là j'ai peut-être été un poil trop haut du coup. On va essayer comme ça, voilà. Et c'est parti de nouveau pour les deux. Yao est parti, il est ressorti. Chrysostomo, puis quelques secondes derrière. On est reparti pour un tour. Hop, hop. Un peu plus difficile du volet sans des réglages sur cette course. Parfois, genre, au deuxième essai, je suis déjà bon, mais là, il y a encore des chipotages à faire. Les modifications de la déportance sont super, bravo pour les réglages. Peu importe ce que vous avez fait, l'équilibre, ça fonctionne, c'est bien mieux. Ok, bah si, ils sont contents. Très bonne, très bonne, très bonne. Bon, on va. Très bonne, très bonne. Parfait. Bah écoutez, on va aller ça comme ça alors. On va pas chipoter plus. Entre très bonne et excellent, il y a. C'est minime, la différence est minime. Donc moi, je chipote pas. Si je dis très bon, voilà. On va pas perdre de temps à insister. À insister sur les deux trucs. Donc là, on va l'envoyer pour 3 tours. Comme ça, il tourne. Et voilà, c'est parti. Et toi, pareil, du coup. On n'insiste pas, on t'envoie pour 3 tours, tu continues à faire tes petits ronds. Je vais essayer de mettre en max, tiens, pour voir ce que ça donne des résultats des deux. Ah merde, dis-le. J'ai pas vu. Du coup, je risque pas de faire des résultats au niveau de la vitesse. Ça, c'est clairement pas le cas, quoi. J'ai absolument pas vu. La météo a changé. Tant pis. Il reste 3 minutes, je vais pas m'amuser à changer. J'ai quand même pas le temps de faire un tour chronométré. Tiens, 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 il y a eu un changement là, j'avais pas vu. Ils ont réparti la chauffe différemment qu'avant. Là, je regarde un petit peu le contenu des patchs, il y a eu un patch entre mes deux sessions de jeu. Regardez ça de plus près après la vidéo ici. Ok, ils sont contents pour l'aéro. Bien. Les freins sont restés bloqués, c'est de ma faute. Ok, je vous le dis, on dirait que mon aéro est fixé comme il faut, c'est bien. On arrive à la fin de la session, voilà.
fin de session, d'après Damier. On va enchaîner sur la course tout de suite. Un essai libre, 13 voitures doivent encore finir. 11, 9, il y a presque 8. Alors, on a débrouillé le niveau 3 des réglages de course, ça c'est bien. Que 5, 3. Évidemment, ça va être le dernier à sortir, voilà. Et donc, on s'en fout du temps du coup, hein. Voilà, on est bon dernier. Logique, vu qu'on n'a pas fait de chrono sous le soleil. Ici, il raconte rien de beau sur moi. Et donc, faut faire 7ème. Objectif. Qu'est-ce qu'on a déverrouillé? Plus 15% en performance, les changements de pneus se font 50% plus vite, tous les arrêts durent une seconde de moins. En pneu médium. Plus 5 en performance en pneu médium. Mais tu vous dis quoi? Et du soleil. Médium me ferait tenir plus longtemps avec les pneus. Je vais prendre ça et... non, je vais partir sur le gourou des changements de pneus. Et ici, les pneus durs s'usent moins rapidement. D'accord. Déjà la voiture, on n'y touche pas. Changer les réglages peut-être, choix des pneus. Pas des pneus, j'ai dit. Médium, intermédiaire, pluie. C'était comprendre des pneus. Donc là, c'est les tendres, c'est les médiums. Alors, la différence entre les deux. Au niveau de la vitesse, il n'y a pas photo, je crois. Ouais, clairement. Donc, on va partir sur les tendres. Ça, c'est bon. On part sur les tendres. Donc, du coup, on va changer les connaissances. Ah, mais non, médium. Bref, non, tant pis. Je vais partir là-dessus. Hop. Ok. Si je mets sélection automatique, il part sur les médiums quand même. Est-ce que je tenterai le coup alors de mettre des médiums à... Ça pourrait être intéressant. On va essayer de mettre des médiums alors à lui. Voilà. On verra bien la différence. Stratégie du pilote dans un premier temps. On va laisser comme ça. Et on commence la course, c'est parti. Donc là ça part beaucoup en truc. Il y a des médiums, il y a des temps. Okay. Donc 12e et 14e sur la grille de départ. Peut-être pousser un petit peu Yao dans le début pour voir s'il s'est dépassé un petit peu. 10e. 10, 13, 10, 12. 11. Ils vont pas télescoper les deux miens, ça serait con. Piso, 11e, ça se lutte entre les deux là. Je vais mettre mes deux pilotes pour la 10e place, 9e place. Donc on va pousser un peu lui, vu que lui il a l'air d'être plus chaud. Ralentis toi alors du coup. Bon, j'ai rien dit, parce qu'au final, 11e, 12e, donc ça se tient dans le peloton. Ils sont pas encore super bons au niveau des pelotons, au niveau des dépassements, etc. Il y a des trucs à... Un peu mieux gérer, vous voyez, ils se font vite pigeonner dans les virages. J'ai remarqué mes deux gars, en fait. Hop. Donc comment est-ce que je vais gérer ça? J'ai 7 tours d'essence. Donc j'en ai 7. Il y a 17 tours au total. Donc on va essayer de le faire rentrer à la 15e. 14e, 16e, c'est pas cool. Et les gars, faudrait peut-être un peu de nerf là. Bon, alors toi tu vas attaquer à fond. Toi tu vas attaquer aussi. Mais pas trop. C'est quand même bizarre qu'ils sont galèrent autant dans les. Dans la masse. Je sais pas comment ça gérer ça. Autant des fois ça se passe super bien, autant des fois ils sont complètement noyés en disant. Le moteur il est pas top effectivement. Bon,
Du coup, toi t'es bon dernier. Avant-dernier maintenant. Et Yao 17ème. 4 tours, c'est lui qui a le moins d'essence. Les deux. On va y aller mollo alors pour toi. Et on fera rentrer Yao en premier lieu. Ou l'inverse. On va d'abord faire entrer Yao. De toute façon, j'ai accéléré parce que j'ai oublié de mettre. Accélérer. Donc 16ème, 19ème. Faut pas s'inquiéter, c'est que le début de la course. Ah, pardon, j'arrive pas à dépasser Santana. Pas grave. Ça colle toujours aux fesses, de toute façon, là-devant. Yao va passer 15ème, voilà. Ouais, bah je vais garder ma stratégie, faire entrer le. Oh, c'est dur. C'est le Yao d'abord. Je pense que je vais faire ça. Voilà, à la fin, dès que. Déjà ? Oh merde, il s'est pris un coup. Bon, attends. Est-ce que j'ai encore le temps d'entrer au stand ou pas ? J'ai raté l'entrée au stand en plus. Ça, c'est vache, parce que je suis là. Sérieux, je suis là, et l'entrée au stand est là. Ça, c'est très con. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Chaque fois, après, juste après, quoi. Là, je vais perdre mort du temps. Bah, action, alors. Oui, on va te faire entrer. Hein. On va te faire directement. On te fait le plein. Les pièces, bah oui, réparer la pièce, quoi, évidemment. Et si je fais ça en prime, ça vaut le coup. Peut-être, ouais. Comment dire. Pas ça qui va me changer grand chose. Mais tu vois, dis quoi. Soleil toujours, donc pas besoin de changement de pneu. Ah mais non, il est arrivé. Mince. Bon bah tant pis. Entrée des stands était. Pour une fois j'ai eu de la chance alors du coup. On va suivre Chrysostomo du coup, qui est donc 15ème pour le coup. Du coup toi tu vas pouvoir accélérer un peu. Hop. L'état de la voiture dit quoi là. 41% de moteur, c'est pas cool. Je sais encore faire. Un tour après celui-là, là. On va faire le prochain tour. On rentre au stand, voilà. Continue avec celui-là. On va te mettre le plein. Ouais, on va réparer. Ah, j'ai perdu du temps bêtement à cause de ces pièces. Hein. Enfin bon, faut dire que je suis peut-être pas le seul. Ça change pas grand-chose, voilà. Prendre de risques inutiles. Puis c'est con parce qu'il était en bonne. Dans une. Bonne dynamique. Allez, plus vite. Enfin, ouais, pas le choix, je dois réparer ma pièce. Non, pas le choix, quoi. 15ème, ouais, ça je vais perdre beaucoup de place. 17ème, 18ème évidemment. Donc on reprend l'Yao qui est quand même remonté à la 14ème place, mine de rien. Il est chaud là, l'Yao. C'est bien. Pas s'en plaindre. Donc toi, du coup, bah, suis un rythme élevé mais sans forcer non plus. L'état de la voiture, ça donne quoi de ce côté. Bon, ça va un peu mieux, mais c'est pas la joie non plus, quoi. Tout le monde s'est arrêté au stand, il y a déjà Sabado qui a fait deux arrêts. Mais il est toujours devant quand même, malgré ces deux arrêts. Hein. Donc, Yao est 14ème. On est loin de l'objectif de la 7ème place là. Hein. C'est pas bon. Pas bon du tout même. Non, c'est nouveau, tiens, statut de la course drapeau vert. 15ème, en plus il perd de place encore ce pendouille. Deux tours c'est. Tente, pourquoi faire un tour. On va essayer de finir avec avec deux arrêts. Ça va pas très gagné pour lui, je dirais. Lui, ça devrait aller, mais lui, c'est pas gagné. Donc, je fais un petit arrêt court. Ouais, en plus, il commence à avoir des problèmes de pièces. Censuré. Alors on va au stand.
Changer pneu. Ok. La météo reste au soleil, c'est parfait. Il reste 7 tours restants après l'arrêt au stand. Il y a moyen de le faire. Il y a moyen. Je vais juste devoir économiser l'essence. Il y a moyen de passer. Par contre, ça c'est inquiétant. Casse-pied. C'est vraiment casse-pied. On va y aller mollo alors pour le reste de la course. Hein. Pas le choix. On y va en rapide pour essayer de quand même gagner un peu de temps. Ça s'en fout, c'est plutôt ça qu'il faut faire un gap. Enfin, quoi que non, ça change pas en fait sur les pièces, tout ça. Mais je dois économiser l'essence, de toute façon. Pénalité ? Où est la pénalité ? Juste au moment où je rentre dans les centres, c'est pas la première fois, hein. Sérieusement, ça me... Ah, vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, bah voilà, là c'est mort quoi, j'étais obligé de changer la pièce. Alors que j'étais au stand, j'aurais quand même pu éviter quoi. Enfin bon, on va reporter là-dessus, hein, parce que c'est lui mon seul espoir. Entrer au stand maintenant du coup, on va passer sur des pneus plus rapides. On va essayer. Il y a 5 tours, faire le plein comme ça je peux attaquer à fond. Ici tout va bien, bah, on va espérer que lui fera un résultat valable. On va le passer en équilibré et c'est parti. Allez les gars, ne connais pas, les pneus parfait, c'est bien. 13ème dans les stands, 12ème, ça va, je sors très bien là, je sors très bien. Donc tu vois, maintenant tu vois. Pour y aller franco. Essayer de monter jusqu'à 7ème place, c'est pas gagné. Hein. Du coup, toi, tu peux y aller aussi. Hein. Le MEDA a fait un accident, donc je peux pas dernier déjà, c'est déjà ça. Mais bon, je suis loin des autres. Ouais, quoi, quand on peut toujours essayer de rester une place ou deux, donc vas-y, attaque. On verra bien. 10ème ici. Saute devant moi, ouais. La 7ème place est quand même 25 secondes devant moi, ça va être un peu impossible sauf s'il y a un arrêt au stand devant. Dixième place, toujours. Une personne qui s'arrête au stand, non. Je pense que ça va être loupé pour les objectifs. Ça va être un très mauvais résultat pour l'IAO. Je ne sais pas faire beaucoup plus sur ce coup-ci. DJ, bon, on va commencer un peu alors du coup, il reste 2 tours. Le plus chauffe, mais sans exagération. Il y a assez d'essence pour y aller de toute façon. Ah, non, je suis passé 7ème. Ah, ils se sont arrêtés au stand des autres là. Oui, ben écoute. Merde, hein, de toute façon. Il reste 2 tours, tu vas pas déconner avec ton arrêt. Là, en plus, j'ai l'objectif. Grâce à un double abandon. Peut-être ça, en fait. Il y a eu un abandon devant moi, j'ai pas vu où ils étaient. Pas craché dessus, hein. Pour un peu de chance. Je peux même peut-être encore aller gratter la 7ème place. Pas impossible. Oh oui, surtout qu'il y a un problème apparemment. Oui. Allez, vas-y, Cryo. Attaque à fond. Ah, ça va être délicat là. Dernier virage. Ah non, c'est bon. C'est bon. 7ème, c'est bien. Ah, c'est pas fini. Ouais, c'est un tour. Je pensais. Là, il va se défendre à fond, mais. Il y a quand même un petit problème, donc on sait jamais. Oh non! Non, mince! J'ai mal calculé à cause de l'essence du coup, parce qu'il y avait un tour en plus. Oh, flûte! Oh
Oh là là, ah bah désolé les gars, je viens de vous montrer un superbe exemple de noobissime ultime. Oh, j'ai pas fait gaffe, je pensais vraiment qu'il restait... Oh là là, ça c'est con. Ah, j'ai mal joué. Oh là là. Ah, je m'en veux. Oh, je m'en veux. J'étais persuadé que c'était le dernier tour et... Ah, poisse. Dommage, du coup. J'ai perdu 600 000 balles pour rien. Bon, je passe quand même 6ème avec Piostomo. Par contre, Yao perd des places, quoi. Il descend 15ème. Oh, mais quel noob. Ah là là, je suis... Comment dire. Triste. Très triste. Terriblement triste. Bon, la morale, il est là. Tout le monde prend des bonus. Voilà, il est pas content, le patron. Tu m'étonnes. Ouais, ça fait mal aux fesses, hein. Perdre 1,6 million. Alors... Bonus de meilleur tour, bonus de pole position. De Wolf, là, qui est belge. Ok. Continue. Avancer un petit peu dans les. Dans le truc. Dembélé impose un rythme. Ouais, blablabla. Actuation de la voiture. Entretien. Pourriez-vous répondre? Oui, j'accepte l'interview. Donc, Diao a percuté Mustapha El Sadat. Accident de course. Les deux pilotes sont en tort. Deux pilotes sont en tort. Point barre. Voilà. Continue. Que se passe-t-il? Mon mécano. Est-ce qu'on pourrait se débarrasser de Emilia Valente? C'est pas vraiment le talent qui l'étouffe. Mais c'est mon mécano, quoi. Fiabilité, performance. Au niveau fiabilité, j'aurais tout. Difficile de trouver, mais. Par contre, ça, elle parle parce que, en fait, au niveau des concentrations, du coup, ça foire un petit peu. Ça fait un peu foirer le truc. Donc, évidemment, du coup. Je vise pas les gens pour la demande de mon pilote. Préparation de la voiture terminée. J'ai un nouveau sponsor. Voyons, qu'est-ce que ça me propose. 2 750 000 à l'avance. C'est bien ça. Et 12 courses, qui fait 12. Paye. Oh! Oh dur. 400 000 par course. 4 millions. Ça fait 5 millions au total. Hop, je vais la prendre dans le jogo là. Hop, accepter l'offre. Voilà. Donc ici, là, je suis tranquille pour les sponsors pendant un petit temps. Hop. Prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Milan. Conception terminée, ça arrive ici. On va directement mettre ça à l'atelier pour la fiabilité. Épreuve dans les trucs au-dessus. Voilà, on y arrive. Alors, message 3. Et ça va-t-on ajouter une nouvelle course? Pourquoi pas? Le Global Motor Support Association. Donc, jeter un œil à mon véhicule, oui. Améliorer les pièces tout de suite. Oui, ça s'améliore petit à petit, mais c'est pas encore la joie. Prochain Grand Prix est dans 14 jours, c'est pour la vitesse et les freins. Donc, les freins. Et la vitesse. Donc, tout ça est en train d'être travaillé, donc ça va. Au circuit suivant, c'était donc la accélération essentielle. L'accélération qui est là. La nouvelle pièce doit être améliorée tout de suite. Parce que je pars de loin. En plus, papapium. On
on va laisser comme ça. C'est délicat parce que j'ai pas besoin de quoi immédiat. J'ai pas besoin de ça. Je le virerai lui et je le remettrai après la course qui vient. On apprend, on monte ça le plus vite possible. Je comprends pas pourquoi ça fait ça par contre. Pourquoi ça bascule tout de suite les trucs dès que je renlève un. Comme ça. Alors, on va partir comme ça. Alors, il y a un vote qui va tomber. On va aller voir ça. Ajout du Grand Prix de Doha, circuit A. On ajoutera à la calendrier la saison prochaine, donc ça fera une course en plus. Ouais, bah écoute, ça ferait. Il faut prévoir plus de thunes, quoi. Moi, je vote contre. Je suis déjà assez riche au niveau. Serré. 3-3, et le vote final, il est contre. Voilà. C'est rejeté. Déjà assez serré au niveau des budgets. Et voilà, on va lire ça. Contre de conception, ce n'est pas un secret, oui, mais. Il me demande un centre de télémétrie, je fais un centre de télémétrie, et quand je suis en train de le faire, il demande un centre de conception. Je suis content, déjà. Voilà. Prochaine course dans 3 jours, on y arrive. Et on va donc arrêter là cette vidéo. Et je vous dis rendez-vous à demain, même endroit, même heure, pour la suite du coup du championnat. Ciao !